Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne. Une fois n'est pas coutume, je suis à nouveau très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que le premier épisode du côté d'Irakubo vous aura plu. Pour ma part en tout cas, j'ai été particulièrement content de pouvoir mettre un peu de lumière sur la commune d'Irakubo, un lieu qui est au final plutôt connu ici, mais qui ne l'est en tout cas pas du tout outre-Atlantique. Voilà, en tout cas, j'espère que ce premier épisode du côté d'Irakubo vous aura plu. Aujourd'hui, je vous propose de me retrouver dans une ville que j'aime particulièrement, tout simplement parce que c'est la ville dans laquelle je vis. Cette ville-là, c'est Kourou. Et vous allez voir qu'ici, il se passe bien des choses. Kourou fut moment de lourdeur, d'effort et de douleur, où les peurs se mêlent et tentent un essor, une expédition de laboureurs. Rassemblée, la horde cadencée se fait entourer par ce qui la dévore. Oubliés sont les hommes, ils se font humbles serviteurs de l'impitoyable décor, ce bafou. Une cohorte d'aventuriers gémisseurs dans la jungle des Kourous. De nos jours, Kourou, c'est une ville de 20 000 habitants. Ce qui en fait la cinquième plus grande ville du département en termes de population. Une ville qui possède bon nombre d'activités, des terrains de foot, de basket, de rugby et même de golf, mais aussi des plages, des restaurants et des boîtes de nuit. Mais malgré la diversité des activités, Kourou reste une ville relativement calme. Et on entend souvent par ici, on sort sur Cayenne, qui est en quelque sorte l'épicentre guyanais à seulement une heure de Kourou. De nos jours, Kourou s'inscrit parmi les villes les plus importantes de Guyane, mais ce ne fut pas toujours le cas. Kourou est en vérité une ville relativement récente, car jusqu'en 1968, on ne trouvait à Kourou que quelques centaines d'habitants. Mais cette année 1968, un événement va bouleverser Kourou et la Guyane en général. L'arrivée du centre spatial guyanais. Ah, le moins que l'on puisse dire, c'est que la création d'un centre spatial en Guyane a radicalement changé le visage de Kourou. Vous imaginez bien que la création d'une telle structure entraîne une création d'emplois importante, mais également un besoin de main-d'œuvre permanente. Et c'est donc à partir de cet événement-là que Kourou a commencé à se développer pour devenir la ville qu'elle est aujourd'hui. Alors, je vous le dis tout de suite, on va rapidement laisser de côté le centre spatial guyanais. On y reviendra plus tard dans un épisode spécial dans lequel je reviendrai notamment sur l'histoire du centre spatial guyanais. Mais pour le moment, on va tout de même revenir à notre époque pour découvrir ce qu'est le CSG aujourd'hui. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage 2 EAP, décollage.
je me demande si beaucoup ignorent encore l'existence du CSG. Si ce n'est pas votre cas, vous avez sûrement entendu parler d'Ariane, le célèbre lanceur français, qui en est actuellement à la fin de sa cinquième génération et à l'aube de l'une de ses plus belles créations, l'Ariane 6, la plus grande fusée française jamais créée. Un accomplissement qui a nécessité plus de 7 ans de préparation. Mais en vérité, Ariane, tout comme le Centre Spatial, n'est pas uniquement française. Car même si elle a été créée par le CNES, elle est depuis longtemps devenue européenne. Le CSG est l'unique port spatial de l'Europe. Et depuis la base, on lance des fusées de différents pays. La petite sœur d'Ariane 6, Ariane 5, Vega et Vega C, tout droit venus d'Italie, et auparavant Soyuz, venu de Russie. Des lanceurs de différentes tailles qui répondent à des attentes bien précises. Les fusées Ariane sont par exemple choisies pour la capacité de leur charge utile, qui peut atteindre dans certains cas les 20 tonnes. Les Soyuz et les Vega, quant à elles, ont des capacités un peu moins importantes et sont donc réservées pour les satellites plus petits. On vous dira que le meilleur moment pour venir en Guyane, c'est en saison sèche, quand il fait tout le temps bon. Pour moi, c'est à l'occasion d'un lancement. Parce que s'il existe bien un truc unique en Guyane, c'est un soir de tir. Et au-delà des désaccords politiques sur le coût des fusées, des lanceurs comme Ariane, Vega ou encore Soyuz restent des bijoux d'ingénierie. Et il n'y a au final que quelques pays dans le monde où le temps d'un instant, le ciel s'embrase. Voilà, je vais m'arrêter là pour le Centre Spatial Guyanais. Parce que, comme vous pouvez le voir, si je commence à m'intéresser au sujet, je pourrais vous en parler pendant des heures. Mais c'est pas le but. Si on se retrouve aujourd'hui du côté de Kourou, c'est pour partir à la découverte d'un événement historique qui s'est déroulé il y a déjà plusieurs siècles, entre 1763 et 1765. Et c'est un événement qui, au final, est très peu connu des Guyanais et qui est totalement inconnu des métropolitains. Cet événement, c'est l'expédition de Kourou. Tout débute au cœur du 18e siècle. Et cette histoire ne commence ni en Guyane ni en France, mais en Amérique du Nord, durant la guerre de 7 ans, qui est en quelque sorte considérée comme la première guerre mondiale de notre histoire. Un conflit qui a opposé plusieurs puissances militaires de l'époque et qui a notamment permis à la France de coloniser une partie de l'Amérique du Nord et de créer ce que l'on appelait à l'époque la Nouvelle-France. Malheureusement, la France ne gardera pas ses territoires nord-américains bien longtemps, car le 10 février 1763 sera signé le traité de Paris, qui mettra fin à ce conflit mondial et obligera les Français à rétrocéder aux Britanniques la quasi-totalité de ses territoires nord-américains. Les Français ne traîneront pas en Amérique du Nord, et repartiront rapidement vers le vieux continent, la queue entre les jambes. On raconte que sur le chemin du retour, ils auraient même croisé un navire britannique, et n'auraient même pas pris le temps de leur annoncer que la guerre était terminée. Pas de temps à perdre, l'heure était grave. Il fallait rentrer en France et réagir vite. C'est alors qu'Étienne François de Choiseul, secrétaire d'État à la marine et aux colonies, trouva une idée originale mais quelque peu risquée. Organiser une gigantesque expédition vers l'une des dernières colonies françaises, la Guyane, afin de réagir rapidement à cette défaite en Amérique du Nord et pourquoi pas trouver un nouvel Eldorado en Amérique du Sud. Choiseul désignera Étienne François Turgot comme gouverneur de Guyane et le chargera de mener cette expédition à l'autre bout du monde. Le projet est titanesque
Un immense recrutement aura d'ailleurs lieu à Strasbourg, où pas moins de 30 000 personnes se présenteront. Principalement des artisans et des ouvriers venus des quatre coins de France, mais également de Belgique, de Prusse et même d'Acadie, l'un des rares territoires nord-américains encore français. Le gouvernement stoppera son recrutement après avoir recruté entre 15 et 20 000 personnes selon les sources. Trois premiers bateaux quitteront les ports du Havre, de Rochefort et de Marseille, en direction de la Guyane. Établir une colonie en Amérique du Sud permettra également de renforcer les Antilles françaises, des îles trop facilement attaquables. Au final, entre 1763 et 1765, c'est pas moins de 9000 colons qui fouleront le sol guyanais, des étoiles plein les yeux, persuadés qu'ils ont trouvé ici leur Eldorado. Eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est que ça ne va pas bien se passer. Dès l'arrivée des premiers colons, une épidémie se propagera au sein de la colonie. Tout d'abord chez les enfants, puis chez les adultes. Vous venez rajouter à ça une belle sélection de maladies déjà présentes sur le territoire guyanais, et vous imaginez les ravages que ça peut faire. Enfin, pour finir, vous rajoutez des problèmes d'alcoolisme, de retard de départ, et une nourriture de mauvaise qualité. Et vous obtenez le cocktail parfait pour une expédition vouée à l'échec. Car au final, 15 000 personnes fouleront le sol guyanais entre 1763 et 1765. 9 000 périront avant la fin de l'année 1765 et 2 000 personnes seront rapatriées en France. Ces chiffres-là ne tiennent même pas compte des pertes chez les Noirs marrons ou les Amérindiens. Au final, l'expédition de Kourou s'avérera être un véritable fiasco et stoppera tout projet français en Amérique du Sud pour de nombreuses années. Même si Kourou deviendra plus tard le point de départ des bagnards vers les îles du Salut, il faudra tout de même attendre le XXe siècle pour que la France se tourne à nouveau concrètement vers la Guyane. Et permettent à Kourou de devenir la ville que l'on aime tant. Voilà les amis, on arrive au terme de cet épisode sur Kourou. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me mentionner dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé. Là, j'avais vraiment envie de ne pas tomber dessus dans le panneau et de vous parler du Centre Spatial Guyanais. On appelle ça la locomotive économique ici, mais c'est surtout le cœur en fait de Kourou. J'avais envie de m'intéresser à autre chose. Et c'est justement en faisant des recherches sur la ville de Kourou et sur son historique que je suis tombé sur cette expédition de Kourou qui est quand même une histoire totalement folle de l'histoire française et guyanaise. En attendant de se retrouver pour une nouvelle vidéo, je vous dis à très vite les amis. Merci d'être là, merci de continuer à suivre cette chaîne et j'espère que vous serez encore très nombreux à suivre les prochains épisodes parce que comme je le dis toujours, il reste encore bien des belles choses à découvrir. Allez, bye!